Ah, c'est con ça. Ouais, hein, c'est con, hein. Bon, allez, hop, j'ai lancé la vidéo. Alors, donc on va par l'ouest, c'est ça que tu voulais, hein. Je voulais. Ah ouais, non mais il me trimballe dans des trucs, c'est pas possible. Ah, j'aime bien courir comme ça avec les arbustes, je me sens à l'abri. Plus on est équipé, c'est surtout mon flingue qui fait que je me sens à l'abri, je pense. Pense aussi, juste après la rangée d'arbres, il y a la ville. Ah, ok. C'est pas si sombre. Merde, j'ai découvert. Bon, je vais... Ouais, bah. RAS sur les maisons à droite. RAS sur la route devant. T'es où? Ah, t'es là. Sur la gauche. Attends. Non, c'est un buisson. Mon Dieu, il y a un buisson. Moi, parano, pas du tout. Pas du tout. Ah, zombaille. On est très loin. Ah oui. C'est fait 3 pixels de haut, là. Ouais. Elle est même pas à côté, elle est plus loin encore. Oui, elle est derrière quoi. Mais bon, pour la localiser. Ah, attends. Ah, y a peut-être un zombie en rose. C'est une blondasse là. Vers la maison rouge tout droit, là, le petit buisson à sa droite. J'ai cru voir du rose dedans. Il y a un zombie, tu vois le tuyau à gauche de la maison rouge? À gauche de la maison rouge. À la tête, ouais. Devant, il y a un tuyau sur la gauche. Ouais. Juste au-dessus, il y a la tête d'un zombie qui dépasse. Oh bah putain, t'as de bons yeux. Hein. Moi je le vois pas. Ah, il t'a repéré, j'ai l'impression. Repéré. Puis il lag. Oui, tu veux arrêter de faire des rollbacks, pépère? Oh putain! J'en ai entendu un autre. Passe. Bah, c'est parce que j'arrive pas à sortir mon arme encore. Oui, moi je l'ai sorti pour la re-ranger. C'est assez classe. Sors ton arme! Voilà. Vu la première personne. Maintenant, j'ai même plus peur de toi. Voilà, il est mort. Elle aussi, je crois. Elle bug un peu, mais elle est morte. Merde, un deuxième zombie qui arrive. Où est mon... J'ai mis mon flingue. J'arrive même pas à te couvrir. Je suis vachement loin de toi, en fait. Je planque dans la... Je planque au niveau du poteau. Ils sont... Putain, mais sors ton arme, bordel, voilà. Donc, ben, vous voyez les problèmes de lag qu'on pouvait avoir, parce que là, on est sur le fameux serveur qui est toujours de jour, mais qui lag. Du coup, enfin, si je veux bien ressortir mon... C'est quoi je ça couvre. Oh putain, j'ai failli te tirer dessus. D'accord. Heureusement que j'ai reconnu ton sac à dos rouge. Ah,
un zombie dans la maison d'à côté. Ah. Enfin, dans la maison. Ah ouais. Dans le front yard. Ah, y en a un deuxième, il m'a repéré. Et voilà, hop, elle traverse le grillage comme d'habitude. Putain, j'ai pas sorti mon arme. Pourquoi est-ce qu'il a pas sorti son arme, ce con? Recule, 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 recule. Voilà, j'ai réussi à sortir mon arme, maintenant que ça sert plus à rien. Alors, si vous demandez pourquoi j'ai pas utilisé mon flingue, c'est pas parce que je n'ai pas de balles, on en a trouvé avec Rod. C'est juste que ça fait trop du bruit. Les balles, ça s'économise. Aussi. Ah, encore un bar. Lampe frontale. Bon, je m'en fous, perso. Oh, je vais la prendre, on sait jamais, ça peut servir. Tu m'as fait peur. un de ces jours, tu vas te prendre un coup de hache réflexe. Et je vais me retourner, je vais voir un truc, paf. Oh, merde. Y a toi aussi, ça risque de t'arriver. On est sage quand même, on a trouvé des flingues depuis un moment, on n'a pas tiré une balle encore. Ah ouais? Surtout par sécurité, moi que je tire pas, parce que je me dis que le moment où on en aura besoin. Bon, il y a un moment où j'ai été tenté, quand on a croisé le joueur là quand même, ça m'a un peu démangé. Aïe, mais je l'ai perdu de vue et. Encore une maison vide. Ah, j'ai trouvé une boîte de sardines en bas. En bon état en plus. Le sûr quoi. On fait quoi là? On s'enfonce dans les terres ou. Si on suit la route, on va finir par remonter vers le nord, là, j'ai l'impression. Ouais. Ou on continue vers l'ouest en retournant vers en bas. Qu'est-ce que t'as fait? C'est toi qui as tapé? Non, c'est toi. Ah non, non. Je t'ai vu faire. Ah bon, bah écoute, j'étais dans la carte. Bah, par contre, il y a des. Ah! Ouais, il y en a un derrière toi, là. Qui a traversé le mur. Voilà, on a des zombies qui traversent les murs. Ouais, c'est des super zombies. Vache. Ça va? Tu t'en es bien sorti? Ouais. Il a dû te voir par la fenêtre en fait. J'ai entendu le bruit. Ah oui, il a peut-être entendu le bruit du coup de hache. Ce que je pense. Alors attends, Balota. Attends, j'arrive pas à voir les. De me rapprocher du panneau pour voir les panneaux indicateurs. Alors on a la ville de Sangoku à 3 km. Ah, c'est Kameka. C'est Kameka, c'est pas Kamea, mais bon. Donc on a la ville de Sangoku et puis on a. La troisième ligne. Comment tu veux prononcer ça, sérieux? Je demande une voyelle. Ouais, ok. Ouais, je suis sûr parce qu'il y en a une dedans, mais on n'arrive pas à la dire. Petit détail qu'on n'avait pas dit dans les vidéos d'avant, mais qui était assez obvious, hein, c'est que le jeu se passe dans une Russie virtuelle. Je sais pas pourquoi l'auteur a choisi ça, mais voilà. Le défunt du monde, tout ça, c'est toujours plus marrant en Russie. Eh, n'empêche, donc j'ai lu, comme je disais, j'ai lu les trucs, donc le développeur envisage à terme un,
de laisser donc des modes se développer, d'envisager aussi qu'il y ait plusieurs maps différentes et pas seulement celle-là. Si des modeurs et des maps différentes sont possibles, j'imagine le potentiel. Hein. Ouais. Personnellement, je me vois déjà dans une mégapole américaine ou à Paris. Ça serait vachement cool, c'est pour changer un peu du côté campagne de cette map, une map urbaine. Ouais. Puis alors Paris, avec le métro, les catacombes et compagnie, même pas besoin de la nuit pour servir la lampe de poche. Ouais, c'est clair. Ouais, ou une map ouais, vraiment américaine, avec une mégapole américaine, avec les systèmes d'entrée, tiens, il y a un puits. D'autoroute. Ouais aussi, ouais. Etc. Avec une accumulation de voitures qui doit rester sûrement dans... Des exodes et compagnie, ouais. Un exode. Ah, il y a un casque de moto. Mais on s'en branle, on a des casques militaires. Donc on va à Sangoku City. Bah si tu veux, ouais. Je me demande ce que c'est que Kameka, là. Dans cette direction... A priori, oui, c'est à 3 km par là, d'après le panneau. Hein. Bon, il y a une grosse baraque, on va peut-être la fouiller un peu quand même. Je crois qu'on peut pas ouvrir les portes en bas dans ce modèle-là de maison. Non. Voilà, je referme, histoire qu'on ait pas. Céréales. Ah, t'as des céréales. C'est pas mal ça. On peut les manger comme ça, les céréales ? Ouais, je crois, ouais. Par contre, c'est pareil, c'est le genre de truc que j'ai lu. Alors, je sais pas si c'était sur le mode ou le machin. Apparemment, selon les aliments, ça joue pas pareil sur le... Par exemple, je sais pas si c'était dans le mode ou dans le truc, mais les céréales sont censées combler un peu la faim et faire augmenter la soif. D'accord. Logique. Manger quelques crisps céréales. Et plus fin. Ah, il y aura un zombie qui nous attendra dehors. Dans le jardin de la maison d'à côté. Une pétasse blonde. Oh, génial. Attends, elle nous tourne le dos, il y a peut-être moyen de la neutraliser proprement et discrètement. Ah non, il y a un grillage, merde. Ah non, voilà. À mourir, mais elle est morte. Zombie, redevant. Ouais. Par contre, là, ça va être plus délicat de faire le tour. Attends, je te couvre. Je prends mon flingue si tu t'approches. Ré marcher. Bah, tant que t'arrives, j'aurais peut-être réussi à sortir mon flingue. Bah allez, sors-le, bordel, quoi. Voilà. Laissez le temps de le sortir. Attends, j'ai entendu un cri de zombie. Je crois qu'il s'était déplacé, mais non. Non, non, il s'est pas déplacé. Alors, je t'avoue que c'est pas le cri de zombie qui me fait le plus peur, c'est le cri d'humain. Vivant. Ouais. Cri de zombie. Oh putain, derrière moi. Arrive. Mais non, mais pourquoi t'as rangé ton arme, connasse? Elle court plus maintenant, alors comme ça. Ah putain, mais crève. Il y en a une autre qui arrive, putain. Il y en a un autre qui arrive, ouais. J'ai réussi à sortir mon arme, là. Putain, c'était Pétas City, ici, c'est pas vrai. Vache.
la maison quand même. Alors qu'on a nettoyé le jardin. Ouais. Alors, il y a une canette sur la chaise. Je la laisse. Oh bah je la prends là. T'en as une quand même. T'as une gourde mais quand même. Bah j'ai une gourde ouais, c'est pas... Bah t'as ta bouteille d'eau aussi que tu peux remplir, donc c'est vrai que niveau flotte on est pas trop mal. Hein. Oh mon dieu, roi des morts! Ah non, il fouillait sous le lit. Une boîte de thon. Ah, il y a une boîte de thon cachée sous le lit, mais putain. Non, elle est en. Elle est plantée dans le. Dans la table de chevet. Voilà. Les Russes ont une drôle façon de ranger leurs affaires. Leur boîte de conserve dans leur table de chevet. Ah, s'il a un petit creux. C'est sûr que c'est pas un chocolat sur l'oreiller, mais pourquoi pas? Mais enfin, elle était à bien 45 degrés dans le bois, quoi. C'est alors... pour pas qu'elle glisse. Ah oui. Bon. Va au... port, enfin je sais pas si c'est un port, mais ce qu'il en a l'air. Là, devant, là bon. Ouais. Ouais, bah ouais, la zone industrielle m'intrigue un peu, quand même. Zombie. Derrière toi. Crève, sale bête, crève, 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 crève. Voilà. Ouais. Les visuels de loin est assez blanc parce qu'à chaque fois on voit plein de sang giclé du personnage de Loki et merde, il est blessé. Non, j'étais en train de déchiqueter un zombie. Bon, on va voir cette espèce d'antenne radio qui t'avait intrigué. Oui. Le port était un peu décevant. Un petit peu, ouais. On n'a pas récupéré des masses à part ta hache. Ouais, bah, une hache, une boîte de thon. Que... Et... J'espère que c'était pas un port de pêche. Hein. C'est une boîte de thon. C'est là-bas, je crois. Hein. Ouais. Ouais, mais je regarde d'abord un peu les alentours. Bon. Ouais. T'aimes pas courir à découvert comme ça? Non, moi non plus. Mais bon, après, si on rampe, il va falloir une vidéo de 3 heures juste pour arriver sur la route. Ah, t'es puissant. Ah, t'es puissant. Ah, attends, je vois une espèce de petite cahute, genre cabane dans les bois. Je sais pas si tu la vois. Ouais, je l'ai vu, ouais. Cabane de chasse. Ouais, voilà, c'est ça que j'ai cherché, cabane de chasse. Ouais. Faire gaffe, alors. De l'autre côté du muret, moi. Ouais, bah je vais devant. Cabane, elle a pas l'air, elle a l'air vide. Je rejoins. On est sûr d'être hors de vue. Waouh. T'as du mal à parler toi aussi. Ouais. Là, ouais. Il y
Y'a personne dedans. Hein. Ouais, on dirait. Pas de zombies dans les environs, en tout cas. Ouais, bah, je vais tenter. L'animation de l'herbe qui se couche quand tu rentres. Ouais, ouais. Elle est un peu lointaine, mais bon. Oui, mais bon. Tu sens bien que c'est géré par carré, quoi, de sol, quoi. Y'a rien dans la cabane. T'es où? Je te vois plus. Je te rejoins, je te rejoins. Bon. Ah, j'ai une petite soif. L'ouverture de la canette est entendue dans toute la vallée. Ouais, c'est vachement... C'est... Oh merde! Putain, bordel. T'as pas intérêt à avoir soif à côté d'un zombie. Hein. Ouais. Et là, une horde de zombies. Non. Il y a l'antenne radio là. Ouais. Gauche. Une super vue d'en haut. À mon avis, ouais. Il y a une petite structure, je sais pas si on va pouvoir rentrer dedans. Eh, on peut monter sur le... Ouais. Un conteneur. Bah, j'espère que ça va juste pas bugger, que je vais pas tomber comme une pierre. Je le souhaite, ouais, parce que là... Effectivement, il y a une belle vue. Bon, je vais essayer de monter aussi. Ah, bien le marais salant, le petit patelin là où on était, là. Et la zone... La zone portuaire. Personnellement, là, j'ai une petite sensation de vertige dans un jeu, c'est marrant. Ouais, bah ouais. Bah, c'est, moi, franchement, tu vois, c'est, à ce niveau-là, je dirais que c'est comme Minecraft, tu vois. C'est quand tu regardes le paysage. Objectivement, ouais. C'est pas ultra beau par rapport à la technologie moderne, les jeux et compagnie. Mais putain, ça a de la gueule. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas beau, mais c'est beau. Il y a tout le côté gameplay à côté qui te rajoute un... sensation, quoi. Ça a rien de savoir que... on est en hauteur, sachant que l'échelle est un tout petit peu buggée, vu que c'est une alpha, et que bah, si on tombe, on se pète les jambes et on est dans la merde, on meurt directement, ouais. Ça fait une légère sensation de vertige. Techniquement, on peut faire des athèles, même si je sais pas comment. Du bois et des. Oui, des rails, peut-être. Certainement. Des bandages. Bon, allez, hop, j'ai réussi à détecter comment. La flèche de descente. C'est assez rigolo c'est de te voir descendre par contre. Oui bah oui, je t'ai vu descendre, c'était marrant aussi. Hein. Là voilà, les... ça c'est Alpha Force. Direct. Bof. Bon, on allait vers KBABA nous à la base quand même. Ouais. Attends. Yeah. Non, j'avais cru voir genre des ruines ou je sais pas quoi dans la forêt là-bas, mais non, ça devait être un bug de texture ou je sais pas quoi. Il y a une colline en
la forêt, visiblement. Ouais. Tu recules. Parce que je me dis que je me pèterais moins la gueule en reculant en fait. Ça me paraît pas logique comme raisonnement même. Cherche pas. T'as vraiment le vertige toi, Irène? Non, non. Non, non, j'ai pas le vertige mais... C'est pas un commerce ou Ouais. Ce serait pas mal. Alors, Coma Popo. À 3 km par là. Okay. Rentre dans le bar. Et ben rentre dans le bar. Oh une pente. Et je vais commencer. Sac à dos 25 emplacements, on s'en fout. Ça fera ça fera un heureux ailleurs. Un puits. Ah. Donc il faut que je remplisse un petit peu ma bouteille. Moi, je suis toujours à 100% sur ma gourde, j'ai pas bu plus tout à l'heure. Merde. T'as pu à la place. Bon, c'est pas grave, hein. Mais il faut que tu la remplisses. Oui, ça de toute façon. Je veux pas boire, je veux. Ah oui, elle s'est déséquipée, d'accord. Bon, je vais voir un peu ce qu'il y a par là. Ah, je vois que des maisons. Hein. Mmh. Et les bouteilles pleines. Ouais, puis là, il y a juste un petit dock sans grand intérêt, ça a l'air encore plus petit que celui qu'on a fouillé avant. T'es où? Je suis au niveau du panneau. Du puits. Ok. Et quoi? On continue d'explorer la ville ou on remonte au nord? Bon, on vient sur nos pas, mais... Bon, on peut aller au nord, hein. Bon, par contre, je vais arrêter de tourner là. Ça va déjà faire un énorme rush. M'étonne. Ok, ben, vous souhaite... la bonne soirée, les gens. Et puis, à la prochaine, peut-être. Oh, ce bâtiment m'a l'air intéressant.